Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Incroyable, une branche magique reconnaît la sainteté de Marie. Cela s'est produit dans la ville de Passos, au Brésil, dans la maison d'une famille brésilienne qui a commencé une petite chapelle dans sa maison en 2016. Et en 2017, ils ont acheté une statue de Marie. En 2019, Monsieur Antonio et Madame Carmen ont observé qu'une branche est descendue au-dessus de la statue dans la direction exacte de la tête, tissant un cercle au-dessus de la tête, comme si la Sainte Vierge avait une couronne ou une auréole. Vous avez tous déjà entendu parler qu'on pouvait entendre Marie dans son cœur. On peut même entendre Jésus. Alors le mieux pour commencer, vaut mieux entendre d'abord Marie dans son cœur, et après, Marie nous aidera à entendre Jésus dans son cœur. Alors n'imaginez pas avoir de grandes conversations comme on parle à quelqu'un en face à face. Mais simplement, vous avez des idées, des mots, des phrases qui vous viennent, et ce sont les réponses du ciel, ce sont les réponses de Marie ou de Jésus. Alors comment on fait? Marie à Medjugorje, au début, répondait à toutes les questions des voyants. Et puis elle a fini par dire un jour qu'elle répondrait à chacun dans son cœur. Donc toute personne est capable d'entendre Marie dans son cœur. Même les personnes âgées, même les personnes jeunes, même les personnes malades, tout le monde peut entendre Marie. Alors comment on fait? Alors déjà, il faut utiliser la prière. Il faut évidemment prier avec le cœur, jeûner pourquoi pas, faire des sacrifices, aller à la messe, lire la Bible. Déjà, c'est une bonne base. Le plus important, c'est de prier le plus possible. Il faut passer votre journée, presque toute votre journée, à prier. Alors comment on fait? Dans la journée, il y a des activités. On peut déjà, quand on fait quelque chose, demandez de l'aide à Marie quand on fait quelque chose. Par exemple, vous avez un texte à écrire, vous demandez à Marie de vous inspirer pour trouver les bons mots, les bonnes phrases. Donc déjà, vous pouvez, lors de vos activités, les faire avec Marie. Par exemple, vous faites du handball, et bien vous demandez à Marie de marquer un but. Vous pouvez faire aussi des activités au travail avec Marie. C'est-à-dire, vous demandez à Marie de bien parler à telle personne, de bien répondre au téléphone et de bien faire votre travail. Alors, il faut prier le plus possible. Alors après, c'est comme si vous allez à New York. Avant d'aller à New York, vous allez vous préparer. Vous allez faire le passeport, vous allez faire les vaccins, vous allez vous renseigner pour l'avion, vous allez réfléchir sur quel avion, à quelle heure vous arrivez, vous allez réfléchir à prendre un hôtel, un nouvel hôtel, un hôtel pas trop cher. Et bien là, c'est exactement la même chose. Vous voulez entendre Marie dans votre cœur, il faut faire des exercices. Donc n'hésitez pas à aller sur Internet, vous renseigner auprès de religieux, de moines, de frères, de religieuses, pour avoir des informations de comment on fait pour entendre Marie dans son cœur. Alors au début, évidemment, vous n'allez pas l'entendre. Ça va prendre du temps. Mais à force de faire des exercices et en priant avec le cœur, Marie va vous aider à l'entendre dans son cœur. Alors moi, personnellement, j'ai d'abord prié beaucoup, prié avec le cœur. Et à un moment, je voulais entendre Marie. Alors, j'ai cherché à me mettre en connexion avec elle. C'est-à-dire, j'utilisais une photo où on ne savait pas si elle pleurait ou si elle pleurait pas. Et de temps en temps, je lui posais des questions et j'essayais de ressentir s'il y avait des larmes, si elle était triste ou pas, tout en regardant la photo. Et, dans un premier temps, ça a marché. Après, ça ne marchait plus. Parce qu'à la fin, je me disais, elle pleure, non, elle pleure pas. Enfin, j'étais sans arrêt en train de me dire, c'est ça ou pas ça. Sans arrêt, je m'opposais, oui, non, oui, non, oui, non. Et à la fin, ça répondait plus du tout.
mais ça m'a permis d'être en connexion avec Marie et surtout de pouvoir faire un cœur à cœur avec elle. Alors, la première fois que je l'ai entendu, c'est pas une date précise. Disons que je priais et j'ai une idée qui m'est venue à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est Marie qui met cette idée dans ma tête, parce que je suis en train de la prier, et si j'ai cette idée-là, c'est pas pour rien, c'est Marie qui l'a mis dans ma tête. Et donc du coup, j'ai commencé à réfléchir et à essayer de comprendre pourquoi elle mettait cette idée dans ma tête. Alors au début, évidemment, je ne comprenais rien du tout. Imaginez, j'ai une idée de mon linge que je dois nettoyer. Évidemment, je ne vois pas pourquoi Marie me parle de ce linge. Mais en réfléchissant, peut-être qu'on peut comprendre des choses. C'était une comparaison par rapport à autre chose. Enfin voilà, j'essayais de raisonner avec ça. Et petit à petit, ça a commencé à prendre un sens. Et maintenant, de temps en temps, alors c'est pas tous les jours, mais disons que toutes les semaines, tous les 15 jours, j'entends quelques mots, quelques phrases de Marie. Et du coup, ça me donne des indications sur ce qu'elle veut et sur ce qu'elle souhaiterait que je fasse. Alors, tout le monde voudrait faire la volonté de Dieu, c'est évident. Mais si on arrive à entendre Marie dans son cœur, Marie va nous incliner à faire la volonté de Dieu. Et donc, il faut essayer d'entendre Marie dans son cœur et avoir des réponses. Alors, quelquefois, Marie ne répond pas. Il y a des questions auxquelles vous avez déjà des réponses. C'est-à-dire, vous posez une question, mais vous voulez une réponse très précise. Alors, forcément, à ce moment-là, Marie ne peut pas vous répondre. Par exemple, vous demandez si votre mère va guérir. Évidemment, vous voulez que votre mère guérisse. Alors Marie ne va pas répondre à cette question-là parce que vous avez déjà une réponse toute faite dans votre tête et donc votre cœur n'est pas ouvert à la réponse de Marie. Parce qu'effectivement, il faut que quand vous posiez une question, vous soyez ouvert à la réponse, que ça soit oui, non ou une autre réponse. Il faut absolument que vous acceptiez cette réponse. Si vous ne l'acceptez pas, ben vous n'allez pas vraiment entendre Marie dans votre cœur. Alors il est important de prier beaucoup et surtout de prier avec le cœur. Alors souvent, on perd la prière avec le cœur. Moi, ça m'arrive énormément. Pour pouvoir savoir si je perds la prière avec le cœur, j'essaye de voir si de temps en temps, j'ai une petite joie après la prière. Si j'ai une petite joie, c'est que Marie m'a donné la paix. Et donc à ce moment-là, que mes prières sont efficaces. Alors, je n'ai pas une joie à chaque prière que je fais, mais j'ai une joie une fois par semaine ou deux fois par semaine. Ou de temps en temps, toutes les 10 prières. Et donc ça m'indique que ma prière est bonne. Et quand j'ai plus cette joie-là, c'est que je prie mal, c'est que j'ai perdu la prière avec le cœur. Et Satan adore nous faire perdre la prière avec le cœur. Parce qu'à ce moment-là, notre prière n'est plus efficace. Alors pour la retrouver, c'est simple. Moi, je fais des sacrifices pendant toute une après-midi, des petits sacrifices. Nettoyer une porte, nettoyer un placard, nettoyer une chambre, nettoyer des rideaux, nettoyer des vêtements. Voilà, c'est comme ça que je fais. Alors, il faut savoir que Marie adore les sacrifices de ménage. Alors, évidemment, ça ne plairait pas du tout aux féministes actuellement, mais Marie aime beaucoup le ménage, elle aime beaucoup la propreté, l'hygiène et le ménage. Donc, quand on fait des sacrifices de ménage, elle adore ça. N'hésitez pas à le faire pour retrouver la prière avec le cœur. Faites-en une dizaine ou une vingtaine. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. J'ai besoin de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez trouver dans ces vidéos. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis,
puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.